Figaro, c'est à la fois une installation, un opéra, un poème, une danse. Dans ma tête, c'est tout ça à la fois. On suit un personnage qui, une femme qui est en proie à une mémoire abîmée, une solitude totale, parce que son monde a volé en éclats, que l'écosystème s'est effondré totalement, et qui a besoin de tenir, de s'élever dans un monde et sur un monde perdu. Et on voit éclore une œuvre au plateau.